Yo les amis, c'est Cardian, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, écoutez-moi, ça va nickel comme d'habitude. Juste avant que la vidéo ne commence, moi je vous invite à lâcher un énorme like si c'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et ça montre aussi que mes vidéos vous plaisent. On est de plus en plus nombreux et je vous en remercie vraiment. Donc écoutez, voilà, moi je vous laisse sur la vidéo, bon visionnage à tous, bisous les gars et à la prochaine, salut, bon visionnage. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, écoutez-moi, ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Palladium, pour voir ensemble une nouvelle technique pour se faire énormément de Palladium très rapidement. Donc du coup, si vous jouez sur Palladium, vous n'êtes pas sans savoir que au spawn Sigma, Delta et Gamma, on a des maisons de factions, enfin, il y a des maisons de factions, et si vous jouez sur Palladium, eh bien, vous devez savoir également que le matériel qui se trouve dans les maisons de faction, vous pouvez l'utiliser. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez crafter des Unclaim Finder, ou si vous voulez utiliser la Palladium Machine qu'il y a dans une maison de faction, eh bien vous pourrez l'utiliser. Et nous, c'est un petit peu ce principe-là qu'on va utiliser, tout simplement pour se faire énormément de Palladium. Donc alors, c'est très simple. Vous allez simplement devoir vous munir d'un ingot pattern et d'un pattern socket, afin de pouvoir vider tous les grinders que vous pourrez, auxquels vous pourrez accéder depuis le spawn, bah, qui sont dans ces maisons de faction. Donc alors, j'explique. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur un des trois serveurs, donc Sigma, Delta ou Gamma. Vous allez aller au niveau des maisons de faction et chercher les maisons où il y a des grinders qui sont tout simplement accessibles depuis le spawn, puisqu'on ne peut pas entrer dans les maisons de faction. Et donc le but, ça va être de vider ces grinders à l'aide de votre ingot pattern et du pattern socket. Donc comme vous pouvez voir, à l'écran, et bien voilà, c'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que je me suis fait beaucoup de Palladium là. Pour faire simple, j'ai découvert cette technique il y a quelques jours, hein. Je pense pas être le premier à l'avoir trouvé, mais sachez que ça c'est rentable. Et je précise quand même qu'il n'y a rien du tout dans les règles de Palladium qui nous interdit de faire ça. Donc pour ceux qui penseraient que c'est un peu du vol, bah oui et non, quoi, puisqu'au final c'est autorisé. Et c'est pas parce qu'il y a du Palladium qui se trouve dans un grinder dans une maison de faction que c'est forcément le Palladium de la faction. Puisque comme je disais juste avant, comme tout le monde peut l'utiliser, comme tout le monde peut utiliser les grinders, les Palladium machines et tout ça dans les maisons de faction, ça peut tout simplement être quelqu'un qui a voulu se servir du grinder par exemple, mais qui n'a pas récupéré son Palladium parce qu'il n'avait pas les outils nécessaires. Du coup, écoutez, voilà, franchement, c'est plutôt rapide comme technique et assez rentable. Hein. Là, je vais laisser tourner un petit peu l'accéléré qu'il y a vite fait. Et puis, on va se retrouver pour le résultat. Du coup, je vous dis à tout de suite. Donc alors ça y est, donc on se retrouve pour le résultat après 20 minutes de farm avec cette technique. Donc je vous le répète, hein, c'est vraiment très rentable. Puisque là, écoutez, j'ai farmé à peu près 20 minutes et comme vous pouvez voir, j'ai presque 2 stacks de Palladium. Donc franchement, c'est vraiment très 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 cool comme technique parce que vous pouvez avoir beaucoup en très peu de temps. Et donc voilà, donc je vais quand même préciser quand même que vos revenus, on va dire, donc ce que vous allez gagner en Palladium avec cette technique, ça va être assez variable en fonction du nombre de Palladium que vous allez trouver dans les grinders de faction, dans les grinders de maison de faction, pardon, et surtout aussi au niveau des horaires auxquels vous vous connectez. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ça à un horaire où il y a quasiment personne, c'est-à-dire que par exemple, si vous êtes nocturne, bah, vous faites ça à 2h du matin, voilà, bon, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ou sinon, le matin avant d'aller en cours par exemple, puisqu'il y aura personne tout simplement. Là, pour vous dire, j'ai fait ça le 13 mars 2017, donc aujourd'hui, pendant 20 minutes le matin, puisque je n'avais pas cours aujourd'hui. Et ben voilà, il y avait une quinzaine de personnes de connectées sur chaque serveur, et au final, voilà, j'ai pas du tout été dérangé. Enfin, juste une personne qui m'a vu, mais qui s'est pas trop posé de questions, du coup il a pas regardé dans le grinder et tout. Donc voilà, ça m'a pas apporté préjudice par rapport à ça. Donc du coup, écoutez les gens, la vidéo touche à sa fin. On se laisse ici, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, et si vous êtes toujours là en train de regarder la vidéo, bah, je vous invite à lâcher un énorme like, ça ferait vraiment plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye les gens.